Moi, c'est Smith George. Hello. L'homme, c'est Naomi Dieudonné. Wapkon George. Smith George. Nous invitons au gars de Kounia là. Épisode ça passé, Mr. President. Mr. President. Donc, on s'en dit, à nous. On y Mr. President, épisode numéro 2. You are now watching episode number 2. Vous regardez maintenant l'épisode numéro 2. Ahora estás viendo el episodio número 2. Oh my God. Mr. President, je dis c'est birthday ou happy birthday. Thank you, darling. Thank you. À ce moment-là, ciel. Ciel, on bénit, chérie. Yeah. Pas tout le monde m'a parlé du fini. C'est birthday. À ce moment, bon beau cadeau pour bien dormir. Et pour songer, birthday, ça que tout le birthday. Qui cadeau ça doit être? En surprise. Une surprise? Mm-hmm. On bénit le paradis, chérie. Le paradis, chérie. Wow, first lady. Thank you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Take these lumps of. Monsieur le Président. Je pense que c'est bon pour visiter Rwanda parce que c'est comme ça, il était très mal et puis qu'on y a eu une extension extraordinaire. C'est China qui mettait au côté. Je pense que c'est important pour visiter, pour voir ce qu'ils ont fait, pour nous faire un modèle comme ça pour Haïti tout. Why not? Il était très 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 bas économiquement, financially. Donc qu'on y a eu une parmi les grands, infrastructures développées. Mon yo ka manger, mon yo à l'école. Je pense que c'est important pour nous faire ça pour Haïti tout. Parce que c'est si on a mis sur le côté. Je pense que c'est très important pour faire visiter, pour regarder et pour implanter ça en Haïti tout. Ça me prend le fait. Oui, ma faut vivre au Rwanda. Mais cependant, avant mal Rwanda, quitter mal prend plan la Chine non? Pour me capable venir, pour nous garder l'ensemble. Et puis, m'a tout faut passer tout dans plusieurs pays africains pour capable voir qui merveille qui bon travail que la Chine a fait en termes de transformer pays ça infrastructure pays ça en termes de investissement que la Chine porte pour pays ça. The Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation, which concluded in Beijing on Tuesday, was a great success, said Rwandan President Paul Kagame. The summit has pushed the relationship between African countries and China to a higher level, Kagame said. He noted that China's support will definitely bring a much more rapid growth in development. Excellency President Matamela Cyril Ramaphosa, Your Excellency President Paul Kagame, Chairperson of the African Union,
distinguished heads of state and government, distinguished heads of delegation, Your Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Mr. Musa Faki Mohamad, Chairperson of the AU Commission, Ladies and gentlemen, friends, September has just set in Beijing, bringing with it refreshing breeze and picturesque autumn scenery, and we're so delighted to have all of you with us, friends both old and new, in this lovely season for the reunion of the China-Africa Big Family at the 2018 Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation. We are so delighted to have all of you here. I wish to extend, on behalf of the Chinese government and people, and in my own name, a very warm welcome to all of you, dear colleagues and guests. I also wish to extend through you the best regards and cordial greetings of the Chinese people to the brotherly people of Africa. We will strengthen cooperation with Africa on climate change, clean energy, prevention and control of desertification and soil erosion, protection of wildlife and other areas of ecological and environmental preservation. Together, we could make China and Africa beautiful places for people to live in harmony with nature. Dear colleagues, ladies and gentlemen, since the 2015 FOCAC Johannesburg Summit, China has fully implemented the 10 cooperation plans adopted at the summit. A large number of railway, highway, airport, port, and other infrastructure projects, as well as a number of economic and trade cooperation zones, have been built or are under construction. Our cooperation on peace and security, science education, culture, health, poverty reduction, and people-to-people interactions has deepened. The $60 billion financing pledged by China has been either delivered or arranged. These 10 cooperation plans have brought huge benefits to the African and Chinese peoples. First Lady, malgré ce de la Chine, nous avons dit que nous avons gardé plan ça, qui est le BRI, plan 30 milliards de dollars la Chine gagne pour développer l'infrastructure Haïti avec investissement économique.
côté que il a commencé à investir 4 milliards de dollars dans Port-au-Prince, puis transformer Port-au-Prince, il a fait tout le reste pays à net. Projet de rénovation municipale de la ville de Port-au-Prince. En tant que capitale de la République d'Haïti, la construction des infrastructures municipales de Port-au-Prince doit avoir un haut départ et se conformer aux standards élevés, en vue d'améliorer remarquablement les infrastructures municipales et de promouvoir l'essor économique de Port-au-Prince. Les travaux de rénovation des infrastructures municipales consistent à 5 parties. Les travaux routiers comprennent la rénovation, l'élargissement et la remise en état des routes, ainsi que les installations de transport. Les travaux concernent 12 routes principales ayant une longueur totale d'environ 100 km. Et les travaux de drainage des chaussées sont considérés comme un point important dans les travaux routiers. Système d'évacuation d'inondation. Au Port-au-Prince, les ouvrages contre inondation doivent tenir compte de la plus forte marée enregistrée dans 100 ans et la plus forte crue de 50 ans. Le système de collection de l'eau pluviale doit être conçu en prenant compte de la plus forte crue enregistrée dans 3 ans. L'eau collectée par le réseau de tuyaux sera évacuée vers la rivière ou la mer. Il est projeté de construire une nouvelle station d'épuration des eaux de 225 000 m3 par jour. Dans la ville, les tuyaux principaux seront disposés en forme annulaire. Cette station servira à alimenter l'eau potable bien épurée et sécurisée aux citoyens. Après avoir été collectée par le réseau de tuyaux, les eaux usées seront traitées dans une station de traitement des eaux usées à réaliser de 180 000 m3 par jour et ensuite évacuées vers la rivière ou la mer. Les travaux d'environnement et hygiène consistent à travaux de toilettes, système de collecte et transport des déchets, ainsi que site d'enfouissement des ordures ménagères. Les toilettes seront placées à deux côtés de la route ou dans les régions publiques tels que stations, parcs ou quartiers résidentiels. Oui, First Lady, comme vous regardez là, vous regardez pour un plan comme ça, qui existait depuis quelques années, que Haïti n'a jamais embrassé, l'autorité haïtienne n'a jamais embrassé, tandis que c'est domaine doit embrasser ce nom-là, et c'est Haïti que, qui est sous en tête de liste alors. Ok, on continue à regarder plan la Chine pour Haïti. Le système de collecte et de transport des déchets est composé par poubelles, stations de collecte et transport, ainsi que véhicules. Les déchets seront évacués au jour même. Les ordures ménagères seront mises en terrassement dans le site d'enfouissement. Les travaux électriques comprennent une nouvelle centrale électrique de gaz, un port spécial pour LNG et la rénovation du système de distribution d'électricité. La capacité projetée est de 2000 MW. Tandis que la capacité installée pour la première phase est de 600 MW et l'électricité sera transmise en ligne de 275 kV. À condition que la demande électrique de Port-au-Prince soit répondue, la centrale électrique fournira l'électricité à un rayonnement national de Haïti. Les travaux de télécommunication sont dans le but de fournir au gouvernement et son service de sécurité publique les meilleurs systèmes. Système de la gestion de la circulation urbaine, le système de surveillance et de contrôle de route, le système de commande et régulation, ainsi que le système des affaires policières électroniques. Ils peuvent aussi fournir aux citoyens la télécommunication de haute qualité par téléphone mobile et le service d'Internet, etc. La zone urbaine de Port-au-Prince demande une reconstitution en urgence à cause de la détérioration par le séisme et la tempête. L'hôtel de ville sera situé au centre de la zone urbaine à reconstruire, par rapport au style d'architecture existant. La nouvelle conception de l'hôtel lui revêtira un style plus moderne en améliorant sa qualité et son fonctionnement. Afin d'améliorer notablement la qualité de vie du peuple à Port-au-Prince,
Nous ferons tous nos efforts pour accomplir les travaux des infrastructures municipales dans un délai entre 3 ans et 5 ans, en les faisant d'une belle peinture dans le brillant futur de Port-au-Prince. Rendre la ville de Port-au-Prince un pays natal, propre et écologique. Come on! Vous dites que vous avez existé? Et puis monsieur a traîné pied au sourire? Pas la bonne idée. Faut de l'ordre là pour Haïti. Faut de l'ordre là pour peuple Haïti. Faut de l'ordre là pour génération à venir. Mais, First Lady, pourquoi ça fait mal? C'est le côté que vous regardez l'autorité haïtienne, législateur, président, tout, la pratique au bon de la table en Taïwan, et refuser de garder le pays, de refuser de concentrer sur la position du pays, de refuser de venir avec un plan, et pour nous avoir un plan, voilà, là, avoir un plan sur la planète là, qui est plus bon pour Haïti que pour la Chine et le Dual. Situation Haïti jodi a, eh bien, une population près de 11 millions de monde, près de 80% peuple là a vivre dans la pauvreté, près de 6 familles seulement qui contrôlent presque toute l'économie pays a, près de 61% haïtiens qui connaissent lire et écrit, et longueur vie en moyenne, yo vivent 65 ans. Eh bien, ça va passer dans la diaspora. Diaspora haïtien qui peut concentrer dans États-Unis, Saint-Domingue, Canada, France, Chili, Brésil, Argentine, Mexique, etc. Eh bien, été voyé près de 3 milliards de dollars américains en Haïti l'année 2018. Là. Eh bien, jeudi, presque tout secteur dans la société haïtienne a demandé pour le président Jovenel Moïse aller pour le remettre pouvoir. Peuple haïtien gagne plusieurs mois y a protesté contre corruption, assassination journaliste, assassination manifestant, y a protesté contre la vie chère, grand goût, l'argent haïtien qui perd du valeur. Peuple a demandé pour tout système n'en changer. Y a demandé surtout côté Cob Petro-Caribéa. Y a demandé tout pour président haïtien Jovenel Moïse aller. First lady, wake up. Moi venons en Haïti, nous à la plage, nous mangeons du poisson, banane pesée, ou belle revue, nous sommes là. Baby, moi t'as bien joué rêve là. Moi pas tant envie sortir dans rêve là non. Chérie, pourquoi tu penses que certains Haïtiens restent toujours attachés au Duvalier? Certains disent que le régime de la dernière fois était meilleur. Je pense que ces gens-là n'ont pas encore trouvé de véritable alternative, quoi. Eh bien, First Lady, nous allons regarder le documentaire pour nous capables. Pour qui raison? Il y a des Haïtiens qui continuent à supporter l'idéologie du duvalieriste là. Nous allons regarder ça. De 1957 à 1986, François Duvalier, qui était le Papa Doc, avec Petit Lee, qui était le Baby Doc, a dirigé Haïti pour presque 30 ans.
pour les tontons Macout, François Duvalier, connu aussi bien sous le nom de Papadoc, était un héros. Mais pour les victimes du régime dictatorial de Papadoc, Duvalier était un vilain, un monstre. Écoutons ensemble le sermon populaire de Papadoc, je jure. Je jure, devant Dieu et devant la nation, d'en être le garde. Moi-même, à Oussanago, je dis tout le monde, depuis un petit monde qui caca, je ne peux jamais respecter mon dame, mon chien. Je ne peux jamais affronter la vérité. Même si je suis tué, je suis la vérité. Bon paquet de bandes du Valéris éduqués, un paquet de bandes du Valéris qui bénéficiaient de ça, de la révolution du Valéris. En pile, on dit au Paris, la révolution n'a pas réussi. Et pas une révolution qui n'est pas faite. Mais cependant, en pile, côté du Valéris qui est éduqué. Je m'appelle dit Nicolas Duvalier, Nicolas François Duvalier, pour lui fier de mémoire grand-père lui, avec papa, parce que François Duvalier, son grand-père, a vengé la race. Tout mulat qui te prend bâton, qui te prend coup de fusil, qui te prend l'exil, que a accusé, que dit le régime Duvalier assassiné, c'est revanche qui te fait pour empereur Jacques Dessalines. Nous parlons de François Duvalier, son Dessalines LD. Il te fait revanche, il a fait la revanche de la race. Ton grand-père a fait valoir tout ce qui n'a jamais été valu pendant près de 150 ans. Parce que Mulatio a franchi yo, petite bâtard sa yo, petite négresse avec blanche sa yo, que yo les bâtards que blanc bat jambon chita à table pour manger avec yo. Après, un peu la te fin ban ou indépendance nous, yo même met ensemble avec Pétion, avec quelques tines tête graine tout. Et mais Duvalier est obligé. Courir avec eux tout, par contre, ils ne peuvent pas être des gros côtés de la révolution, il faut faire l'obliger de manger propre petit clic, parce que propre petit révolution, c'est la trahi. François Duvalier, c'est lui-même qui vient de le tiner, qui était grain sous le monde en 1957, après Dumas est estimé. Le Dumas est estimé était monté président avant le assassiné. Le cortège présidentiel a passé dans l'élite. Nous, là, ça a été fermé porte sous lui. Côté du Valier, il s'éduque. Suspend caché, suspend et bagay sorti, vin parler de fierté du Valierisme. Vin dit vraie histoire. Oui, te gon paquet de nèg, professeur, tout bagay qui prend l'exil du Valier monté au pouvoir. Oui, te gon paquet de sénateur, député du Valier était dissous la chambre. Parce que c'est même ça, ouais, nous gen jodi à la. Sénateur et député qui travaillent pour Milat, pour Arabes, Duvalier était joigné. Mais Arabes d'aujourd'hui, c'est un gras qui n'a encore souhaité parler mal de la mémoire de François Duvalier. Parce que c'est grâce à François Duvalier qui fait n'importe Arabe qui est multimillionnaire, je veux dire, qui est multimillionnaire. Parce que l'aile des besoins, une façon pour le contre-garer, Milat traditionnel, il utilisait Arabe, là, il a le privilège, il ouvre le magasin de l'État. Pour me dire qu'on peut carrer mieux la traditionnelle. Si je dis à la ouvre noire qui campe qui parle du Valier mal, c'est un gras, C'est pour zombie du Valier qui vient casser cou. Côté du Valier, ici, comment nous faire lâche comme ça? Si papa Nicolas François du Valier pas de balle, histoire grand-père, moi-même je dis à ma dire que grand-père sont héros. C'est grand-papa qui devine bâillon élite noire dans le pays. Parce que après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, Mulat a accaparé toute richesse pays. Et puis, Tinek ne bat pas rien. Même dans les lycées, avant Dumas s'est estimé, avant François Duvalier, il n'y a pas de bâillon. Tinek ne mette pas de place, petite soeur. C'est François Duvalier qui lui mette fin à bagage. Parce que, bon, bagage, puis le monde va comprendre. Haïti est un complexe d'infériorité. Michel Martelly. Son une petite soeur bien, on est doué, tête graine, parce que pendant qu'il y a un peu clair. Haïtien Venmaé, où est le Mulat? Ok? Pays qui était, que nous avons indépendance, non, mais la France, la Portugal, l'Espagne, même les États-Unis. Il y a une partie carrément du Valier, parce que
c'est pour bourgeoisie à l'été, l'homme dit bourgeoisie à c'est pour mulatterité, le joint nous tinez être graine qui éduquait, qui vient de médecin, qui traite de pian, qui vient à mettre nègre noir sous même pied d'égalité avec mulatte. Il n'y a pas de carré, mais Nicolas François Duvalier, grand papa, ton grand-père a fait valoir tout ce qui n'a jamais été valu pendant près de 150 ans. Tu n'as pas rien pour honte. Allez, tout le monde dans la merde. Sous François Duvalier, c'est 10% haïtiens seulement qui te connu lit, écrit. Je dis à plus que 61% haïtiens qu'on lit, écrit. Sous François Duvalier, haïtiens te connu vivre en moyenne 42 ans. Je dis à yon haïtiens vivre en moyenne 65 ans. Se lever après son échec. C'est là. Bon, n'a pas dit tout haïtien yo. Pas craser ti sont rete a. Ce pays a détruit. Solution nan men leader politique yo. Nan men classe business élite là. Solution nan men peuple là. Les lamen leader religieux et l'organe pour corps diplomatique tout pays qui dit ses amis Haïti yo organisation internationale yo pas réellement une volonté pour aider Haïti et mes peuple haïtien souffrent en pile d'exploitation les victimes de corruption avec absence de justice artistes yo gon rôle pour jouer tout oui Haïti cap vin la perle des Antilles encore. Pour faire la caprivé là, pour faire un monde cadeau, nous invitons à acheter le livre Naomi Dieudonné à Beyond Borders, qui parle de immigrants aux États-Unis, dans le livre là. Et nous invitons à acheter tout Transformation Express, livre pour montrer parler anglais, et qui a un pilote bail la donné. Et nous invitons à regarder tout World on Democracy, sur show télévision live, qui sous 4 channels, chaque 2 samedis. C'est moi-même Smith George qui hostly, et bien c'est Pierre Sidney Charles qui co-hostly. Nous gagnons tout Didier Anderson qui fait liaison culturelle pour show télévision ça, The World on Democracy. Eh bien, comme ça, nous invitons tout pour acheter Cup World on Democracy. Mais Cup, ça qui passe, Mr. President, là, pour faire un cadeau pour semaine fête là. Oui, vous pouvez en order pour faire un cadeau tout, poster, tableau, 9 draps pour l'histoire pays d'Haïti, ou bien un poster, tableau, héros qui va nous indépendance. Ou bien sûr, mais football tout, poster, tableau, côté que lui-même, Pelé était signé, ni Gionardo là dans tout. Ma photographe est tout poster pour vous. Ou bien nous sur tous les réseaux sociaux. Supportez-nous. Merci. Dans la vie, ce qui compte, c'est de se lever après son échec. Se lever après son échec.